Et re tout le monde, on est toujours en train d'essayer de péter la Russie. Et ça a beaucoup avancé depuis la dernière fois, vous avez perdu 10 secondes. Ou vous n'avez rien vu du tout. Vous n'avez pas entendu un grand bruit là, en début d'épisode. Par contre, ta mine de granit elle est morte, hein. Elle donne rien du tout. Puis. Mais non, tu m'as dit que ça donnait à 10% tout le temps. Ouais. Elle a pas l'air de vouloir donner, disons. De toute façon, j'ai pas de bouffe. Enfin, si, il m'en envoie avec des... En gros, il m'envoie 3 rations et 40 pierres par bateau. Oh, on sait jamais, hein. Qu'est-ce qu'il me ramène celui-là? Voilà, il me ramène plein de pierres. Mais c'est utile! C'est super méga utile! Oui, vachement! Ah ouais, des fois que. De rien, ça arrive à se vider. Des fois que t'es besoin d'un coup, on sait jamais. Bon, alors, piste réussie là. Oh, ça se castagne, ça se castagne! La taverne est toujours à 0%. Ouais! Ok, allez, suivant. Attends, je peux progresser sans avoir de... Non, puisqu'il me faut, il faut de la chaux. Il me faut de la chaux pour pouvoir commencer. Ça jette un froid. Alors... Non. Lui, il travaille pas parce que... Le tronc est manquant. Ah oui, c'est... D'accord. L'économie est tellement... Enfin, la route est tellement engorgée par ce putain de port que le charbonnier peut pas avoir de tronc alors qu'il y en a 400. Et le four à chaud, il est là. Ah, le four à chaud, il produit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il a même ignoré le travail à défaut de l'économie a besoin de chaud. Donc, je crois que je vais détruire le port violemment. Je te souhaite une belle mort. Si j'ai des constructeurs en stock. J'en ai 9. Oh, c'est merveilleux, c'est le moment idéal. Je le fais, je le fais pas. T'as pas une objection, un truc intelligent pour dire que si alors, je le détruis. Si tu le détruis, ça va nous coûter un bras. Mais c'est tout, c'est pas une objection grave. D'accord, au pire, tu peux en refaire un avec une XP. Ouais, alors j'ai lancé une expédition, j'ai déjà demandé une expédition il y a déjà un moment. Je crois qu'à tout cas prêt pour l'expédition, je peux vérifier, je viens de le faire, mais attention, j'ai attention, tenu. ça rame pas. Ça rame pas, parce que le nombre de ressources qui va être dedans, il s'en branle complètement. Donc l'expédition, il y a tout le matériel qui est prêt. Ah, mais il n'y a aucun bateau qui peut la rejoindre, rejoindre le port. En fait, du coup, j'ai un bateau qui arrive et il ne pourra pas décharger. Ah ben non, il est vide. C'est un port inutile. Faut que je vienne à celui-là pour lancer l'expédition. Zou. Voilà. C'est marrant, j'ai un bateau qui venait au port, elle m'a fait détruire le port, bah le bateau il dit qu'il est vide. Ça c'est bizarre ça. Ils ont du coup bah il continue sa route. Ils ont jeté toute la cargaison par-dessus bord ou comment ça se passe? Lui on lui a dit tu vas jusqu'au port en longeant la route, il a pas vu de port, alors il continue hein. Bah ouais, logique. Puis l'autre il va faire pareil. Ah non, l'autre il est chargé par contre, alors qu'est-ce que ça va faire? L'autre pareil, il m'a amené des trucs qui ne servent à rien. Ouais. Logiquement, il devrait revenir avec. Voilà, il a fait demi-tour avec tout ce qu'il avait en stock. Ouais. Il va tout pouvoir décharger ailleurs. Ouais, bon. Chez toi, le bordel chez toi. Je veux pas dire, mais c'est un peu très la guerre là. J'ai plein de mecs qui sont en train de se castagner, mais. Mais ils laissent quand même passer leurs agresseurs. Oh, allez-y, prenez, reprenez place dans votre chez vous. Aucun problème. Timber. Timber. Ouais, il y en a un de moins. N'importe quoi cette route. On parle pas. L'accès à la Russie, ça va être génial. On a une monstre forêt, il y a juste un tout petit passage. Si on a de la chance, on pourra y passer. What? Comment ça, tu veux pas te mettre là? Mais fous-toi bien de ma gueule. Attends, détruire Sentinelle, puisque ça garde le terrain. Voilà. Tu annules cette route. Voilà, pendant ce temps, on regarde Vassili se débrouiller comme il peut avec ce qu'il a. Voilà. Et tu fais ça. Non, tu veux pas. Pourquoi tu... On va attendre que le truc ait fini de brûler. Non, il veut pas. Voilà. Waouh! Est-ce que t'as conscience que tu n'as pas d'outils du tout dans ton. Ton truc? Oui, mais j'ai bloqué les constructeurs. Donc si je trouve. Comme j'ai déjà un truc de carrière, j'ai déjà des mineurs, si je trouve du fer, je pourrais logiquement faire des outils en me débrouillant. Ouais. Sauf qu'il faut bloquer des marteaux en fait, parce que tu vas avoir besoin d'un forgeron.
ton forgeron s'il n'a pas de marque. Ah merde, j'ai pas fait le forgeron, c'est pas fou. Ah. Là bah c'est foutu, puis c'est tout, je vais attaquer avec, avec rien. Du coup maintenant j'ai une objection à ce que tu me disais avant. Bah ouais, fallait le dire quand je te l'ai demandé. Bah ouais, bah voilà, tant pis. Oh mes petits pêcheurs ils ont plus rien à boire. Ils n'ont plus de poissons à boire. Oui parce qu'ils boivent des poissons. Voilà, au revoir. Et puis là. Ok. Bon, et puis ici, qu'est-ce que ça donne ça? Cette guerre en Russie, ça donne n'importe quoi. Les mecs, ils se fracassent pendant des heures, mais il se passe rien, quoi. Puis pendant ce temps, j'ai un petit constructeur qui construit sa forteresse tout lentement. Ah, je peux mettre 12 gars de plus. Ok. À l'assaut! Une attaque massive. Sinon, il y a un truc qui est bien, en fait, c'est que là, tu... Hey, il y a des gens qui regardent! On est trois. Ah ouais. Oui, il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui regardent. Un rien et un bot. Peut-être. Sinon, tu refais un port là où je l'ai supprimé. Ouais. Je l'aurais pas supprimé pour rien. Ça aurait pas été une perte. Ça aurait supprimé tout le bordel qu'il y avait en fait. C'est Terminator qui supprime normalement. Non, mais plus sérieusement. Drôle cette là. Mais je l'aime bien. Elle est bien cette blague. Plus sérieusement, si tu fais un port maintenant, ça ira beaucoup mieux parce que j'ai les trucs qui arriveront quasiment directement quoi. Ouais. Bah écoute, j'attends déjà d'avoir une expédition prête, puis après on discute. Sentinelle. Oula, oula, c'est freeze. Pas sauvegarder ? Non, pas cette fois. Bonjour, welcome, welcome. Salut. On va mettre marqué là. Salut. Avec. Je vais mettre des... Voilà. En plus, avec le temps de... Tac, comme ça, ils entendent « Salut !» en même temps que c'est écrit « Salut !» dans le truc de discussion instantanée. C'est... Oui, c'est écrit « Salut !» Ni sur le jeu, ni sur... C'est écrit « Salut !» dans le... Dans le chat. Ah, ça y est. Ouais, non, ça peut être grave. Alors... Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'une fois, ils vont finir de péter... Oui, il suffisait de le demander. Et j'ai pas trouvé de nouvelles assises, donc je voulais faire ça, moi. Ouais, le donjon est pas terminé. Pas d'horticulteur. Ouais. Bah, je te dis, hein, si t'arrêtes la partie, j'ai pas envie de reprendre. Là, c'est vraiment la merde. Mais elle va arriver, non, mais bon. Faut pas jouer un truc aussi grand avec des ordinateurs, quoi. Ouais, il y a de ça, peut-être. Effectivement. Faut pas streamer en même temps. Non. Voilà, si vous suivez ce stream, quittez immédiatement les lieux. On est là depuis 10h ce matin. On a fait 15 minutes d'arrêt au milieu. Quasiment 8h. Alors moi, je suis là depuis 8h, mais en fait, on a commencé à 9h15, sauf qu'à 9h15, on a eu une plantée à 9h30 par là, et au final, on a un serpent. Trouver à recommencer pour de vrai à 10h. Des questions? Ah, il y en a un qui est parti. Voilà. Oh my god. En fait, c'est pas ton speech qui l'a fait chier, c'est pas la compréhension qu'il allait se faire chier qui l'a fait chier, c'est quand t'as fait des questions, le mec, oula, c'est vrai. C'est peut-être mieux pas, finalement. Ouais. La 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 la. Alors voilà, on a tout ça, c'est merveilleux, hein. On a tout ça, ça nous sert à rien, à part ramer du cul. Mais est-ce que tu voudrais pas qu'on supprime la moitié de ce qu'on a sur le monde entier? Genre qu'on vide des stocks et tout? Ouais, je sais pas. Non, par exemple, déjà, tu vois, toute l'Espagne, paf, on supprime tout. Enfin, en fait, je te l'ai pas demandé, je l'ai déjà fait. Sérieux? Si tu regardes l'Espagne, tout ce que tu vois, c'est juste des bonhommes. Ah non, il y a une cabane de bûcherons là, attends, détruire. Voilà. On peut les démanteler. L'Espagne, aussi. Ça fait au moins 4 heures que j'ai rasé les trucs. Hein. Bah attends, autant tout raser alors. Là là là. Non, regarde les chemins, ça fait une visibilité. Non, mais je suis en train de raser à quoi que non, à la limite, si on... À quoi que non, parce que si on supprime les chemins, ça supprime les animations des bonhommes et du coup ça ramera moins. Non, 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 non. Ça, j'y crois pas tellement alors. Parce que. Bah, on a bien vu que quand ça produit beaucoup de bonhommes, ça ramène. Donc maintenir beaucoup de bonhommes, ça doit participer aussi, non? Ouais. Écoute, alors, j'enlève quelques-uns.
Je doute que ça améliore beaucoup la situation, mais enfin, on peut toujours rêver. Si jamais t'appuies sur... tu prends les embranchements à 3. Là où t'as 3 chemins qui se rejoignent, c'est là que c'est le mieux. Et puis tu fais CTRL-CLIC, puis ça efface tous les chemins jusqu'au premier truc qu'ils rencontrent. Voilà, j'ai enlevé des tonnes de chemins. T'es content? Mais attends, je vais essayer ton truc, hein. En plein dans ton centre-ville. Mais bien sûr. Alors, si je prends ici... T'appuies sur CTRL, tu fais CTRL-CLIC et tu... CTRL et je fais supprimer le drapeau. Ouais. Supprimer un seul drapeau. CTRL, supprimer ce drapeau, ça efface toute la ligne jusqu'au premier truc qu'il rencontre. Donc, il peut effacer 50 drapeaux si t'as 50 drapeaux qui suivent. Non, ça l'a pas fait, moi. Par contre, pour celui-là, ça l'a fait. Ça a marché pour une seule... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Mais que fout une cabane de bûcherons ici, quoi? Le pire, c'est que tu viens de démanteler deux forteresses à côté. Oui. T'as laissé la cabane de bûcherons en plein milieu. C'est parce que des fois, il y a des arbres qui repoussent, puis après, c'est moche. Moi, j'aime pas les arbres. Moi, je suis un anti-écolo. Moi, je suis un salaud, voilà. Tac. Oh, mais il reste des grecs, là. C'est quoi, ça? Attends. Sérieux? Ah non, c'est de la neige. C'est de la neige. C'est quoi le rapport entre la neige et les grecs? Sur la carte, on dirait du gris, quoi. Des grecs, du gris, de la neige, ouais. Ok. Ça, t'as la même couleur que la Russie, voilà, c'est ça. Pour la carte. La neige et les Russes. Je vais pas dire, mais les Russes, ils sont hyper combatifs, quoi. Ils se font laminer la tronche, pas très vite. Mais ils s'en foutent. Je pense à un truc, si t'as un éclaireur qui passe à côté d'un bâtiment ennemi, logiquement, tu peux attaquer le bâtiment ennemi. Oui. Alors qu'il n'était pas à portée de vue de ton truc. Exactement. Et c'est une technique qui marche. Utile. Et on a mis 3 quarts d'heure pour réussir à le faire sur un mec pendant le tournoi de ce printemps. J'aime bien, je te sors des trucs improbables et à chaque fois tu me dis oui, on l'a fait. Bah, je suis désolé, hein. Je fais beaucoup de trucs improbables. Parce que je veux dire, pendant 3 quarts d'heure, ça peut se passer des trucs, quoi, pour que la situation change. Non, parce que pendant 3 quarts d'heure, vous êtes regardé dans le blanc de l'œil en attendant. C'était que une île en deux et que le mec passe au bout. Une île en 2 contre 2 avec un seul petit coin où tu pouvais passer. Mais j'ai plus personne dans le monde. L'autre, il essayait peut-être faire pareil et ça l'arrangeait que tu l'attaques. Non, il voulait surtout pas se faire attaquer, en fait. Parce qu'il savait qu'il avait moins de soldats et moins fort. Enfin non, pardon, il avait plus de soldats, mais il avait des soldats moins forts, donc il savait très bien qu'il allait se faire exploser. Ma gueule, j'en ai 325 des troncs. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce con? Mais... Ah, tu parles du charbonnier? Ouais. Si tu veux qu'il marche vraiment, faut le mettre là où il y a la barricade. Tu peux pas le mettre plus loin que ça, sinon ça marchera pas. Comment ça, il est pas capable d'aller chercher des trucs? C'est pas ça, c'est juste qu'il passe à 0% dès qu'il essaye. S'il essaye, puis que ça marche pas, alors qu'il doit avoir 6 troncs, hein. Non, comme un citron. Et ben ouais, il réessaye, puis il tombe à 0% en à peu près une seconde. What the hell? Non, mais je viens de comprendre. En fait, il dit qu'il y en a pas, mais c'est juste que c'est pas encore tout arrivé, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il est juste impatient, en fait. Il est comme moi. Oui, oui. Ok, bon, c'est pas un problème. À la limite, t'aurais pas mis la cabane de garde chasse ici. Parce qu'on non, on peut pas faire un raccourci par là, bien sûr. Non, mais tu peux. Il y a une gestion des drapeaux tellement particulier. Ah non, je vais pas en reconstruire un, non, parce qu'avec ce que ça demande et le temps que ça va faire, surtout que j'ai plus de port. Voilà. Oui, j'ai réussi à faire un truc avec les drapeaux qui est complètement un problème dans le jeu. Non, non, c'est tout à fait correct, ça. Non, non, mais tu trouves pas que c'est mieux, surtout? Oui, effectivement, c'est plus droit. Ça rien détruire, quoi. C'est plus droit. C'est plus droit. C'est plus droit, oui, je parlais bien France. Bon, puis là, je suis en train de me faire lapider. Enfin, je dis je. Les petits soldats qui sont là se font lapider. Bon, sérieusement, le mec qui regarde, là, qu'est-ce qu'il fout, là? Qu'est-ce qu'il trouve d'intéressant sur ce truc-là? Grave Moi, question. Je veux dire, si t'es inscrit sur Twitch, franchement, dis quelque chose dans le chat. Je trouve ça... Pour moi, le seul intérêt qu'un mec peut avoir à regarder ça quand en arrivant,
c'est parce qu'il connaît pas du tout le jeu. Donc il regarde pour découvrir. Moi j'ai dit quelque chose dans le sac, dans le chat. T'aimes bien le ketchup toi. Ouais, quelque chose. Ouais, j'ai mis du ketchup sur mon sur ma momie de tout à l'heure. Attends, je vais faire gerber le stream. Non. C'est marrant parce que ça me fait des tutes, le jeu il accepte pas quand t'appuies sur trop de flèches de direction. Pauvre stream. Non, le mieux c'est le tout. Voilà, là c'est efficace. Ah, tu veux gerber là? Tiens, tu vas voir ce que j'ai fait après. J'ai peur. Tu veux me diffuser l'hymne national russe encore? Olé! Pourquoi pas? Mais je rêve, il attaque! Le russe nous attaque! Il a gagné? Non. En fait, il est en train de vouloir péter une sentinelle, ce qui est très bien. Comment t'es passé sur le côté? Parce que pendant ce temps, c'est top parce que je vais pouvoir récupérer la barricade. Et puis ça permettra d'avoir plus de soldats pour lui péter la forteresse qui embête en haut. Donc on fait un échange standard, une barricade contre une sentinelle. Moi ça me va. Il faut que je continue de mieux. Yeah! Ouais. Non mais enfin, moi je pense qu'à 17h30, faut vraiment que. Non, 17h15 même, faudrait que je sois loin. Donc, c'est l'avant-dernier épisode, en fait. Voilà. Parce que, comme dit, c'est tellement long que on va devenir fou, puis on n'est pas prêt à recommencer tout de suite. Mais je pense que c'est que si on continue trop longtemps la partie, là, mon enregistrement sur VLC va être aussi long, voire plus long, que le temps que je vais dormir. Ouais. Je vais me réveiller, le truc, il sera pas terminé, quoi. Bon, on est à 4,6 giga de RAM chargé. J'étais à 4,5 avant. Ça va, ça a pas trop monté. Je m'attendais à pire. Hein? Dans ton PC, il utilise 5 giga de RAM, là? Bientôt, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah oui, écoute, il regarde un stream. En même temps, il y a Wildlands. En même temps, il y a l'enregistrement du... Ça fait beaucoup de choses, quand même. Bah oui, mais surtout que je pensais même pas que c'était possible de, juste pour faire les trucs pareils, d'utiliser autant de RAM, quoi. Ben si, visiblement. Je veux dire, pour moi, l'utilité d'avoir plus de 4 Go de RAM, déjà, c'est juste genre si tu veux compiler un truc rapidement, faire du montage ou avoir, voilà, quoi. Ouais. Ah, moi je compile Mindtest en une mais minute, pour jouer, ça c'est cool. Un jeu consomme 5 Go, faut juste pas l'acheter, quoi. Ouais, mais y a pas que le jeu qui consomme 5 Go, comme je te dis, c'est le tout. Et puis après, moi je dis franchement, du moment qu'elle existe, cette RAM, autant qu'elle soit utile. J'ai regardé niveau mémoire utilisée. Le premier c'est Firefox avec 1,2 giga. Le deuxième c'est Wildlands. Aussi, c'est lui qui consomme tout. Ah, je sais, le troisième. Voilà. Le troisième c'est Nemo, mon explorateur de fichiers. Il consomme à lui seul 1,5 giga de RAM juste pour explorer des fichiers. Voilà. D'accord, donc en fait t'as les mêmes problèmes que sur Windows, c'est toi qui les provoques tout seul. Oui, parce qu'en fait il était resté ouvert sur la fenêtre, je pense que ça va se décharger un bout. Je sais pas quand ça va venir, mais il était resté sur le... J'avais gardé la fenêtre ouverte avec dedans les vidéos en cours d'enregistrement. Et du coup il doit tout le temps faire des updates sur l'aperçu visuel. Je pense que ça doit être ça. Enfin bon... La. Ouais, moi je vais aller supprimer. J'ai un truc à supprimer, moi. Tac. La vidéo d'annonce pour le live. Je crois que c'est bon, on a compris. Oui, puis le mec, enfin je veux dire, c'est la limite là. Moi je vais supprimer la mienne tout de suite parce que j'ai honte que. Le mec il arrive sur le stream là, j'ai honte de moi, quoi. Ouais. Hey, je suis presque à 5000 vues sur ma chaîne en plus. C'est trop cool. Le jour où ce que je dis en ce moment sera diffusé, ça fera genre 3 mois que je serai à 10 000 vues. Non, je dis n'importe quoi. Mais... Hey, mais t'es au courant que t'as pas relié encore la France-Allemagne à l'Italie, hein? La France-Allemagne? Ouais, il y a le bout en bas, ouais, je sais. Hey, tu vois, voilà, pourtant ça passe. Tu peux faire des chemins là où il y a des mines, donc voilà, je l'ai relié. D'accord. Alors,
Et du coup, hey, ça fait 20 minutes. Hey. Ouais, du coup, ça sert à rien, celui-là. Oui, il a pas sonné, il sonne aux 10 secondes, mon truc. Mais alors, boum. Donc, ce sera tout pour cet avant-dernier épisode. Ça va être un bot qui regarde, je pense. Ouais. Et moi, je vous dis à la prochaine.